Kata Ashvarin Kata Asir Tanem. Enfin, je commençais à croire que tu viendrais pas. Personne t'a demandé d'attendre à l'intérieur de la grotte glauque. Bref, l'irium rouge dans des conteneurs non sécurisés. Si on veut pas qu'il commence à nous parler, il faut pas qu'on traîne. Comment vous êtes tombé sur cette opération, au fait? Il doit y avoir des centaines d'entrées vers les tréfonds. J'ai utilisé cette entrée par le passé. Varric n'est pas le seul surfacien à explorer les tréfonds. Mais je dois bien avouer que je suis tombée des nues quand je suis arrivée là et que j'ai vu tous ces humains. Pourquoi est-ce qu'il devrait être sécurisé? Le lyrium est extrêmement dangereux sous sa forme brute. Il peut empoisonner les nains, ou même nous tuer. Et on est censé y être résistant. Parfois même, il peut exploser, sans prévenir. En gros, seuls des cinglés travaillent dans l'extraction du lyrium. La caste des mineurs ne le jette pas bêtement dans des seaux. Il est transporté dans des conteneurs spéciaux qui le gardent sous contrôle. Et ça, c'est pour le lyrium normal. Le rouge est encore pire. Je serais pas surprise que leurs mineurs ne survivent même pas à son extraction. Vous avez l'air d'en connaître un rayon sur les effets du lyrium rouge. Varric m'avait raconté les effets que ça avait eu sur lui et sur son frère. On ferait bien de se mettre au travail. Parfait. Vous êtes venu ici assez souvent pour retaper la grotte? Je vous ai déjà dit que j'avais utilisé cette entrée par le passé. Je sais pas si Varric vous l'a dit, mais la guilde marchande est impitoyable. Et c'est un doux euphémisme. J'ai forgé ces portes pour empêcher des rivaux de me suivre jusqu'ici et de provoquer un accident. Heureusement que vous êtes venu, dites-moi. On me le dit souvent. Après vous. C'était bien plus dangereux de s'en prendre à mon frère. Thank you.
penses rester combien de temps à Orleans? Au moins jusqu'à ce qu'on en ait fini avec toutes ces conneries. Peut-être un peu plus. Pourquoi? Passe me voir avant que Bogdan ne rentre. Il faut absolument que je te montre mon nouvel atelier. Je vais voir ce que je peux faire. Tu sais que ta famille me tuerait pour un truc pareil. Personne ne va te tuer. Tu dis toujours ça et ils envoient toujours des assassins. Chose à dire, Varric? Par le saint postérieur d'Andraste, Bianca, c'est toi la mouchard. Quand j'ai su l'emplacement, j'y suis allée moi-même. J'ai trouvé le lyrium rouge et je l'ai examiné. Tu connais ses effets? Je voulais te rendre service. Je veux savoir comment fonctionne cette substance tout autant que moi. Je voulais juste comprendre. Vous ne nous avez pas dit comment on est venu à divulguer l'emplacement à Campus. De choses mortelles se sont associées pour former une chose encore plus mortelle. Le lyrium est vivant. Ou presque. L'emplein n'affecte pas les minéraux, seulement les hommes. J'ai pas pu aller plus loin tout seul. Alors j'ai cherché un mage garde des espoirs. Un expert à la fois en emplein et en magie. Et j'ai trouvé un homme, un certain Larius. Il avait l'air de vraiment vouloir m'aider. Alors, je lui ai donné. Larius? C'est le garde des ombres qu'on a croisé dans la prison de. Mais merde. Je savais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Ce n'est que quand tu m'as dit avoir trouvé du lyrium rouge à Darth que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis venue ici. Ce nom vous dit quelque chose, Marie? J'étais à la prison des gardes des ombres où on a trouvé Corypheus. Et à cette époque, ce n'était certainement pas un mage. Vous deviez savoir qu'on découvrirait ce qui s'est passé, Bianca. Pourquoi avoir insisté pour nous accompagner? Varric m'a dit ce que les gens faisaient de ce lyrium rouge. Il fallait que je fasse quelque chose. Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il arriverait. Et puis quoi encore? Je lui avais expliqué tous les dangers de cette saloperie. Je lui avais dit de pas s'en mêler. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on l'a réparée. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Il s'agit pas d'une de tes machines, là. Tu peux pas remplacer une pièce et faire comme si c'était rien passé. Je peux toujours essayer, non? Ou est-ce que je suis censée me morfondre sur mes échecs toute ma vie et raconter des histoires sur ce que j'aurais dû faire? Comme si je racontais des histoires sur mes propres erreurs. Le lyrium rouge n'est plus là. Fermer cette entrée n'y changera rien. On a fait tout ce qu'on a pu. Bianca, tu ferais mieux de rentrer chez toi. On doit t'attendre. Varric. T'en fais pas pour moi. Prenez soin de vous, Viserys. Ou je vous ferai manger vos yeux au petit déjeuner. Je suis content d'avoir des réponses, mais... Merde!
Dès qu'elle a débarqué, je m'en suis douté. C'est juste que... C'est ma faute, tout ça. Je lui ai parlé du Teg. Et je suis pas doué pour gérer ce genre de conneries. Là-dessus, je crois qu'on est tous dans la même galère. Non, non. Moi, je fais rien. Je laisse faire. Si Cassandra m'avait pas traîné jusqu'ici, je serais à Corkwall en ce moment à faire l'autruche. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous avez travaillé autant que nous tous pour arrêter Corypheus. Vous croyez ? Franchement, je sais plus. Merci pour votre aide là-bas. Après tout ça, vous croyez que vous reverrez Bianca ? Je la revois toujours. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre thé ? C'est du thé. Je déteste ça. Mais c'est le matin et j'ai besoin d'évacuer les rêves de mon esprit. Et j'aurai aussi besoin d'une faveur. Vous n'avez qu'à demander. Une de mes vieilles connaissances a été capturée par des mages et réduite en esclavage. J'ai entendu ses appels à l'aide pendant mon sommeil. Je veux bien vous aider. Comment ces mages l'ont-ils capturée ? Grâce à la magie du sang ? Avec un cercle d'invocation, j'imagine. Pardon ? Mon ami est un esprit de sagesse. Contrairement aux esprits qui veulent entrer dans notre monde par les failles, elle était très bien dans l'immatériel. Elle a été invoquée contre sa volonté, et m'a appelé à l'aide pour retrouver sa liberté et regagner l'immatériel. Vous savez pourquoi les mages auraient invoqué cet esprit ? Non. Elle possède de grandes connaissances. Mais un mage pourrait obtenir ce savoir simplement en lui parlant dans l'immatériel. Il est possible que les mages cherchent des informations qu'elles ne souhaitent pas partager, et qu'ils soient prêts à la torturer pour ça. Je pensais que les esprits voulaient entrer dans ce monde. C'est le cas pour certains, c'est vrai. Tout comme la plupart des paysans orlésiens aimeraient se rendre au Rivain. La plupart, mais pas tout le monde. Mon amie est une exploratrice, qui recherche et diffuse la sagesse. Elle serait très heureuse de parler philosophie avec vous, mais ne souhaite pas venir ici physiquement. Bien. Allons aider votre ami. Merci. J'ai perçu le lieu où se trouvait mon ami avant de me réveiller. Je vais l'inscrire sur la carte. Mon ami. Ah ! Les mages ont transformé votre ami en démon. Oui. Vous disiez que c'était un esprit de sagesse, pas un combattant. Un esprit devient un démon lorsqu'il ne peut remplir son but d'origine. C'est donc parce qu'ils l'ont invoqué pour le combat, un but opposé à sa nature, qu'il a été corrompu. Demandons-leur ! Un mage ? Vous n'êtes pas avec les bandits ? Vous n'auriez pas des potions, Lyrium ? Ce combat contre ce démon nous a fatigués. C'est vous qui avez invoqué ce démon, sauf qu'il s'agissait d'un esprit de sagesse à l'origine. Vous l'avez obligé à tuer. Vous l'avez corrompu. Je comprends que ça puisse être perturbant pour quelqu'un qui n'a pas étudié les démons. Mais si vous nous aidez, je... Nous ne sommes pas là pour vous aider. On est là pour aider votre ami. C'est encore possible maintenant que c'est un démon ? On ne peut pas être ami avec un démon. Aussi amical qu'il puisse sembler, il... La ferme ! Vous l'avez invoqué, pour vous protéger des bandits. Je... Oui. Vous l'avez soumis et vous lui avez demandé de tuer. Et c'est là qu'il s'est transformé. Le cercle d'invocation. Si on le brise, on brise le lien. Pas d'ordre de tuer, pas de conflit contre nature, pas de démon. Quoi ? Le lien est le seul moyen de l'empêcher de nous tuer. Peu importe ce que c'était avant, c'est devenu un monstre. Inquisitrice, s'il vous plaît. J'ai étudié des rituels similaires. Je devrais pouvoir y mettre un terme rapidement. Merci. Il faut faire vite! Oh.
Shaman Venin. Taref Shiral. Je suis désolée, Solas. Vous n'avez pas à l'être. Nous lui avons accordé un instant de paix avant la fin. C'est plus qu'il ne pouvait espérer. Tout ce qu'il reste, ce sont eux. Merci. Nous ne voulions pas nous risquer à une invocation. Mais les routes sont trop dangereuses pour voyager sans protection. Vous, vous avez torturé et tué mon ami. Nous ne savions pas que ça n'était qu'un esprit. Ce livre affirmait qu'il pouvait nous aider. Qu'ils soient tous maudits. J'ai besoin d'être seul quelque temps. Je vous retrouverai à Force Céleste. Inquisiteur Tom Rainier, autrefois connu sous le nom de Garde Blackwall. Ses crimes... Enfin, vous connaissez ses crimes. Son sort est entre vos mains. Je savais que ça ne serait pas facile. Mais c'est bien plus dur que je ne l'imaginais. Encore une chose à regretter. Vous avez utilisé vos relations avec la pègre pour me sauver. Vous êtes une criminelle. Vous ne valez pas mieux que moi. Le monde saura que vous avez joué de votre influence. Et pensera que l'Inquisition est corrompue. J'aurais aimé faire autrement. Mais mes options étaient limitées. Vous pouviez me laisser ici. J'avais accepté mon châtiment. J'étais prêt pour la fin. Pourquoi être intervenu? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Vous êtes libre. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. C'est vrai. Vous êtes libre de vous racheter tel que vous êtes, et non comme le traître que vous étiez, ou le garde que vous prétendiez être. L'homme que je suis, je le connais à peine. Mais il a... J'ai beaucoup à me faire pardonner. Si mon avenir m'appartient, alors je le consacrerai à l'Inquisition. Mon épée est vôtre. Si j'en avais dit moins, est-ce qu'une flèche de la colonie de corbeaux m'aurait soufflé comme une bougie? Prenez votre poste, Tom Rainier. Inquisitrice. Comment ça va, Solas? C'est dur, mais je survivrai. Comme d'habitude. Merci d'être revenu. Vous avez été une véritable amie. Vous avez tout fait pour m'aider. Je ne pourrai pas vous abandonner maintenant. Vous étiez parti où? J'ai trouvé un endroit calme et je me suis endormi. Je suis allé dans l'immatériel, là où mon ami avait l'habitude d'aller. L'endroit était désert. Mais j'ai perçu des vibrations énergétiques dans le néant. Peut-être qu'un jour, l'endroit sera à nouveau fertile. Qu'est-ce qui se passe quand un esprit meurt? Ce n'est pas comme pour les mortels. L'énergie des esprits retourne dans l'immatériel. Si l'idée qui a donné corps à l'esprit est suffisamment forte, ou si le souvenir a façonné d'autres esprits, il peut réapparaître un jour. Vous dites que votre ami pourrait revenir? Non, pas vraiment. L'état naturel d'un esprit est une semi-existence paisible. Il est rare qu'il puisse refléter la réalité. Une créature similaire pourrait réapparaître un jour, mais avec une personnalité différente. Et elle ne se souviendrait sûrement pas de moi. Ce ne serait pas l'ami que j'ai connu. Je vous laisse vous remettre au travail. Très bien. Encore merci. Que puis-je faire pour vous, Trésor?
Puis-je espérer le cœur de la Wyverne des Neiges, ou est-ce trop demandé? Je vous apporte le cœur que vous m'avez demandé. Inquisitrice, vous êtes un trésor. Veuillez accepter ceci en guise de paiement. Je dois me mettre au travail immédiatement. Vous êtes une amie chère et j'aimerais que vous veniez avec moi. Ça ne prendra qu'un moment, Inquisitrice. Je suis là, Trésor. Vivienne. Oui, mon chéri. Ça va aller, mon amour. Mon amour, Bastien. Vivienne, je suis désolée. Il n'y a plus rien à faire ici. Bastien est mort. J'ai du mal à y croire. C'était le bal de l'hivernale. Ma première visite au palais impérial. Le cercle avait envoyé une douzaine d'entre nous divertir la noblesse. J'étais émerveillée par tout et tout le monde. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Bastien a passé toute la soirée à mes côtés. La douairière a voulu le faire tuer pour cette humiliation, mais il s'en moquait. Ah, le coup de foudre au milieu d'une salle de bal remplie. On dirait une histoire pour enfants. Il avait un air de bandit fringant. Et le peu de défauts qu'il avait était compensé par son rang et son charisme. L'époque était plus innocente, j'imagine. Et maintenant qu'il n'est plus l'âge, je dois écrire à son fils Laurent. Et sa sœur va faire des histoires si elle n'est pas prévenue la première. Je dois aussi m'occuper des cérémonies à la chanterie. Ça risque de me prendre du temps. Si je peux vous être utile, vous n'avez qu'à demander. Non, Trésor. Je me débrouillerai. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup à faire. Vous voilà, je vous cherchais partout. Vous avez de la chance, on a failli commencer sans vous. Qu'est-ce que vous alliez commencer, au juste? Je l'ai trouvé, Fanfreluche. Donnez-lui des cartes. J'espère me souvenir des règles. Il y a une éternité que je n'ai pas joué à la grâce perfide. Asseyez-vous, on va commencer. Bonjour. Trois dregs valent plus qu'une paire d'épées? Je ne sais jamais. Chercheuse, vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas montrer votre jeu? Eh bien, évitez aussi de l'annoncer à tout le monde. Il a une couronne sur la tête, mais une épée aussi. Sa tête n'en voulait pas. Parlez pas aux cartes, petit. Il a l'air d'y avoir assez de monde, et j'ai un millier de choses à faire. Il n'y a rien de plus relaxant et addictif que de perdre de l'argent. Essayez donc. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est vous, Bouclette. Le donneur commence. Oh, je crois que je vais commencer à... 3 cuivres. Vous croyez que c'est trop risqué? Peut-être juste 1. Oh, allez, je suis joueuse. 3. C'est une blague? Qui commence à 3 cuivres? C'est de l'argent ou rien. Très bien, ça me va. On est là pour jouer, pas vrai? Je vous suis. Moi aussi. Alors, vous jouez? Bien sûr. Donnez-moi des cartes, Joséphine. Formidable. Je me réjouis que vous vous joigniez à nous. À vous les la monnaie, Inquisitrice. Le pauvre bleu s'est enfui dans le réfectoire en petite culotte. Un silence glacial a envahi la salle, et les 70 mages et 30 templiers se sont tous retournés pour jeter un œil. Puis,
lentement, une salve d'applaudissements a commencé et ne s'est arrêtée qu'une fois que tout le monde était debout. Une vraie ovation. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a salué, tourné les talons et il est sorti au pas comme s'il portait une armure intégrale. Non ! Brave garçon. Vous vous foutez de nous. Une histoire aussi improbable, ça s'invente pas. J'aurais jamais pu mettre ça dans un bouquin. J'en ai une pour vous, moi. D'abord, je dois préciser que ma tante est connue aux Marches Libres pour son amour de l'opéra antivan. Donc, bien sûr, quand elle a su que le meurtre de la reine Madrigal se jouait, elle nous y a tous emmenés. Ma tante ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Pas mal. Ça vous dérange si je vous la pique, celle-là ? Bien joué. Vous devriez raconter des histoires plus souvent. J'ai bien aimé le passage avec le lapin. On ne parle pas assez des lapins. C'est scandaleux. Si ça se savait, l'Inquisition serait ruinée. Allez, racontez-la encore. Et qui triomphe encore ? C'est Bibi. Une autre partie. J'ai compris comment vous fonctionnez, ambassadrice. Votre présomption vous perdra, commandant. Alors voyons si votre chance dure une partie de plus. Je veux une dernière chance de regagner ma dignité. Donnez-moi des cartes. Je ne veux pas vous entendre, le nain. J'ai essayé de vous prévenir, bouclette. Il ne faut jamais parier contre une antivanne, commandant. Je m'en vais. Je n'ai aucune envie d'assister au défilé de la honte de notre cher commandant. Moi, si. Ça s'en va. Je ne savais pas que ça pouvait s'en aller. Je me suis bien amusée. Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. On a vite fait d'oublier que vous n'êtes pas qu'une icône, qu'un symbole, comme ces statues d'Andraste qui tiennent des coupes de feu. Enfin, je parle pour moi. Ça vous dirait de remettre ça quand tout sera terminé, inquisitrice ? Avec grand plaisir. Bien. Ça va pas être facile de convaincre Cullen. Peut-être que je devrais jouer la carte de la revanche. Alors, j'ai gagné ? Inquisitrice, je... Auriez-vous un moment ? Comment étiez-vous avant l'encre ? Vous a-t-elle affectée ? Changée d'une quelconque façon ? Votre esprit ? Votre morale ? Votre âme ? Je ne pense pas. Ah. Pourquoi cette question ? Vous semblez posséder une sagesse que je n'ai rencontrée que dans les plus anciens souvenirs de l'immatériel. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez ainsi. Je m'excuse de vous décevoir. Je ne suis pas déçu, je... La plupart des gens sont tellement prévisibles. Mais vous avez fait preuve de subtilité dans vos actes. Et d'une sagesse peu courante chez ceux de votre peuple. Je fais de mon mieux. Vous êtes modeste. Il y a tellement de personnes qui se serviraient de cette inquisition pour grimper les échelons du pouvoir, mais pas vous. Et donc, qu'est-ce que cela signifie, Solas ? Cela signifie que j'ai le plus profond respect pour vous, inquisitrice, et que je vous ai suffisamment dérangé pour la soirée.